Je fais une VOD. Car je découvre Darkest Dungeon. Je voulais faire un effet. Darkest Dungeon. C'est un super effet. Oh, j'aurais dû mettre une grosse voix comme dans l'intro. Attendez. Darkest Dungeon. Milieu gauche, la cam. Bah là, je suis quasi milieu gauche, là. C'est bien, non? Plus haut, genre là. Parce que là, en vrai, je cache juste un logo. Alors que là, je risque de cacher l'action. Hein? Comme ça? Comme ça, c'est mieux? Pourquoi je fais comme ça, moi? Vous me disiez. Un très bon jeu. Faut juste aimer le style et pas avoir peur de la frustration. Je joue à Mario Kart, inquiétez pas. Tu avances? Oui, j'avance vers la droite, j'ai bien compris, mais ici, en soi, ça change rien, tu vois, c'est ça que je veux dire. En vrai, ça je veux dire. Ouais, ça change rien, c'est plus c'est là. Hein. Toute une série de petits pets de frayeur à cause de ta voix. C'était comme ça. En stream, ça peut être drôle. Si on renomme le perso. Mais là, attends. Là, j'y suis pas encore. Attendez, je vais peut-être mettre le chat. Ouais. Je sais pas où il est. Je sais pas où vous êtes. Chat, il est là. Hop là. Voilà. Alors, le jeu, pour info, VOD, le jeu m'a lâché là. J'ai même pas eu le temps d'accéder au mode option avant pour mettre en français, mettre des sous-titres, tout ça. Donc, je connais rien. Il n'y a pas de tuto trop alors. Je peux avancer, donc on va avancer. Ah, voilà, il y a un tuto. Une pièce accessible. Ah oui, ça c'est le donjon et je saisis où je... D'accord, donc j'avance vers cette pièce. Brigands sont maîtres des allées. Restez sur le chemin de traverse. Attendez, il me faut une grosse voix. Restez sur le chemin de traverse. C'est pas mal. Eh, c'est pas mal, hein. Je pense que je vais garder ça comme voix. Mais j'ai peut-être fait un petit peu moins d'écho, t'as vu. La reverb. Oh, la reverb, je m'en max de reverb. Non, mais sinon, on comprend pas, t'as vu. Voilà, là, c'est pas trop mal, hein, pour quand le narrateur y parle, en fait. Hein. Ok, c'est bon. Déplacement dans les couloirs. Dans les couloirs D. Permet d'avancer et Q de reculer. Le Q, c'est l'arrière. J'ai la ref. Si vous préférez jouer à la souris, clic gauche, avant, arrière, exactement. Faisons ça comme ça. Ma main gauche reste au chaud. Il y a eu un 3. Il y a des méchants. Éliminez ce voyou avec brutalité, que tous entendent parler de votre arrivée. C'est classe quand même. Tuez l'ennemi. Cause everything I'm going to be my enemy. Le combat se déroule au tour par tour sur une icône de compétence. Clic gauche sur une icône de compétence. Clic gauche, puis clic gauche sur une cible en surbrillance lors du tour de votre héros. Si une compétence ne peut pas être sélectionnée, cela signifie que le héros doit se déplacer ou qu'il n'y a aucune cible valide. Survoler la compétence pour voir les exigences. Ok. Mais c'est quoi les compétences? On va voir. Ça va, vous voyez. Près de base. Saignement. Bon, c'est un coup de base, j'imagine. 95 sur mob. De DGT, peut-être pour doigt. J'imagine que c'est dégâts, moins 15%. Saignement base. 2 points sur TR, sur 3 TR. Tour. Malus sur cible. Résistance au saignement, 20%. Vitesse moins 1, base. Bon, d'aller, c'est bien. Mitraille. Près de base. Bon, bah, je vais faire. Moi, je crois que je vais faire mitraille. Doigt moins 15%. Au secours. Bah, s'il peut rien, hein. Ils mettent des acronymes chiants, là. Ils peuvent pas mettre des mots. Hein? De plus. De toute façon, le truc prend de la place. Tu peux le faire en sorte qu'il prenne plus de place, vu qu'il est que en surbrillance et qu'il écrit plus de termes, là. Allez, on va mettre le truc qui fait moins 15% de dégâts de doigts. Hop là. Ah ouais, d'accord, je vois, il a pas de résistance au saignement. Infection. Il en a... Ok. Oh, j'ai esquivé. Ok.
Ah, ça fait des dommages 15%. Là, ça fait 40% de doigts et 4% de crit. Moins 4% de crit. Comment ça, moins 4%? Lui, c'est un méchant. Malus, déplacement, tout ça. Mêlée. Coup étourdissant. Ou châtiment. On va mettre châtiment. Ah, il saigne. Du coup, il a mal. Coupe étrange. Oh, ça clive. Pas très réaliste, ça, mais bon. On va faire le dégât de doigts. Profitez de cette opportunité, ne faites pas le quartier. Je sais pas si la voix est assez forte dans le jeu en vrai. Chaque objet emporté prendra de la place dans l'inventaire. Survolez les objets pour afficher les détails. Cela fonctionne également dans l'inventaire. Mais c'est super. Des sous. L'or graisse des pattes, bâtit des empires et invite au meurtre. Ouais, ouais, c'est vrai, mais ça paye aussi des magnifiques. Sub sur la Lox Télévision. 40% de doigts, ça fait beaucoup, hein. Envy, arrête de dire des mots interdits. On n'a pas le droit de parler Dreamworld. Merde. Faire attention aux deux rangées de 4 ronds. Attends, il faut faire attention à deux rangées de 4 ronds. Jaune et rouge, ça te donne l'info de où il peut jouer et où il peut attaquer. Alors, j'ai pas vu des ronds, mais je verrai plus tard. Hein. Ça dépend des doigts, c'est vrai. T'imagines la taille des doigts si ton corps il est fait à 40% de doigts. Bah, ce serait l'équivalent de la créature qu'on a vu dans Sons of the Forest avec ses doigts comme ça. C'est quoi ça? C'est de la nourriture. Alors lui il est blessé mais ça va, il est ok. Il a 3 sur 200 de stress, ça va. Il a 19 PV sur 23. 28 PV sur 33, ça va. Ok, ça va. On va aller là. En exploration, vous trouverez de nombreux objets interactifs. Ça permet de les examiner. Ok. Ensuite, où allons-nous? Bon, c'est pas lui le narrateur, alors ça n'a pas de raison de dire ça. Optionnel, faites glisser un objet ici pour l'utiliser sur cet élément. Quelqu'un a récemment copé ici. Regardez la tente. Quelqu'un a abandonné. Seulement la fortune pouvait endiguer le flot d'une corruption surnaturelle. À votre disposition. Il y a du verre. Ah oui, de la... Ah non, mais jade. Verre délavé comme la chair, putréfié. Verre délavé comme la chair. Je choisis pas, je prends les deux. Oui, voilà, je prends tout, moi. Je prends tout, moi. Il a dit halt, lui. À un moment, il y a un gars, il a dit halt. Ah, je peux reculer, quand même. Ça, c'est... Ok, 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 ça va. Ça va, j'ai le backpad. J'ai le backpad, c'est bien. Ah, je peux plus avancer, en fait. Nous reculâmes. Attendez, regroupons-nous. Ah, mais ça, c'était une porte! Un ambush. Envoie un message à ces vermines, nos propriétaires légitimes et de retour à leur espèce. Leur espèce n'est plus la bienvenue. J'avais oublié. Ok. Mais eux, ils vont me tuer, c'est sûr. Comme ça, le jeu, il m'apprend que le jeu, en fait, il est vachement dur. C'est quoi, ça? Tir de pistage. C'est pas fou, ça? Ok. Non, mais je vais faire un coup, moi. Oh, il a un malus. Oh non. On a aussi un malus. Oh, j'ai pris trop giga cher. Rempart de la foi. Je vais te faire ça, hein. Fervente accusation. Je sais pas ce que ça fait faire 20 accusations, moi. Hein. Je t'accuse! Ok.
Ne recule pas sur une attaque de doigt, tu peux te prendre des dégâts. Si, c'est bien tir de pistage, mais je... Pour toucher lui. Ah, je peux peut-être le tuer avant, il a pas beaucoup de PV. Oh, il a esquivé. Il esquive des balles, hein, le gonze, hein. Ça, c'est quoi? Coup étourdissant. Est-ce que je peux étourdir? Oh, mais lui, il a pas beaucoup de PV. Ok, il est sonné. Cheese atteste fort à bout. Ouvre veine. Et c'est quoi les points alors que tu me disais? Si tu peux jouer de où tu peux attaquer. Ok. Alors où je peux attaquer je peux comprendre mais... Ok. Ok ok. Ok lui il est dead. Une taille monstrueuse ne possède aucun réel mérite, à moins qu'un saignement excessif ne soit considéré comme une vertu. La plupart des monstres laissent un cadavre en mourant. Celui-ci agit temporairement comme un obstacle et finit par disparaître tout seul. Vous pouvez attaquer les cadavres pour les détruire plus vite, mais il est souvent plus judicieux d'utiliser les compétences à distance, de déplacement, ou même certaines compétences spéciales de destruction de cadavres. Pff, quelles compétences ! Quand même ! Des monstres tués par saignement, infection ou coup critique ne laissent pas de cadavres. Ah bah lui, il cadavre un max lui. Non mais il va crever mon bro là. De toute façon il est déjà en saignement, c'est foutu. Oh, j'essaie, je vais mettre là. Comme ça, il va m'attaquer, moi. Tire au pistolet. Oh, l'autre, il est mort. Alors que la vie décline, la de terribles visions du néon se dessinent. Lorsqu'un héros tombe à 0 PV, il est à l'agonie. Dans cet état, les stats subissent des malus. Et tout nouveau dégât subi risque de le tuer. Soignez-le pour qu'il ne soit plus à l'agonie. Je veux bien, je ne sais pas comment. Mais lui, je peux pas le tuer, lui. Tout ce que je peux faire, c'est autre chose. Comment je le soigne? Je peux pas, hein. Donc, mais je peux pas le soigner. Genre là, j'ai par exemple à manger. Votre tuto, c'est honteux ou normal peut-être. Je peux... Ouais, d'accord, je peux pas, je suis d'accord. Ok, bah, je vais me protéger. Mais du coup, il peut encore faire des trucs, mais j'ai quand même pas de quoi le soigner, hein. Ah, il est toujours pas dead. Je peux pas taper le cadavre, en vrai, il me saoule. Voilà. Et il a décidé, hein. La confiance montre alors que l'ennemi s'effondre. Ok. Lors de la... Un jade ou une jade? Une jade. Une pierre de jade. Émeraude. Portrait. Je vais pas me soigner avec un portrait, je pense. Ou alors je peux le frotter très fort sur les plaies. Une fois
tous les objectifs d'une quête accomplie, vous pouvez retourner en ville à tout moment. Il suffit de cliquer sur le blason. Il n'est pas nécessaire de revenir dans la première pièce du donjon pour sortir. Oh, alors ça, c'est sympa. Quête accomplie. Oui, mais à quel prix? Retour au hameau. Oh ouais! J'ai un succès. De détermination plus 2. Oui, mais là, mon machin a l'agonie, du coup. Il est toujours à l'agonie. Faudrait que je soigne en combat ou je pourrais soigner avant de partir en combat. Ça m'arrangerait. Untouchable. Chance de repérage. Oui, d'accord, mais lui, il va crever. Du coup, j'ai Pex. Du coup, mes persos, ils ont Pex. Welcome home. Bienvenue chez vous. Pour ce que cela vaut, l'hameau sorti de cette terre corrompue vous appartient désormais et vous sont liés. Oh yeah. Pardon. Ça c'est mon lobby. Mon menu principal. Ça c'est mes objectifs. J'en ai 1 500 000. Ça c'est mes humains. Les ruines sont désormais accessibles. Est-ce que, question, on commence avec les tous avec les deux mêmes persos ou pas? Genre c'est aléatoire. Oh oui! De l'aide en tout lieu sur n'importe quel écran de jeu, appuyez sur H, affiche les contrôles de ce mode. Testez cela en ville, en exploration, en combat, en campement ou encore, et encore, plus encore. Diligence, mémoire ancestrale, machin, machin. Laissez-moi partager avec vous les terribles merveilles que j'ai découvertes. Ah, c'est le glossaire. Ok. Je verrai quand j'aurai besoin d'infos. Les profondeurs ne me font pas peur. Dadadam. Vous avez équipé toutes les breloques? Non. Pris par stress. La discrimination, ça, monsieur. Ok. Voir les héros morts. Beaucoup finiront ici, couverts de terre empoisonnée, en attente d'un oubli. Clément. Arrête avec les succès, par contre. Et arrête pas de me faire touloum touloum, c'est super, mais je m'en fous. C'est trop fort. Beaucoup trop fort. Attendez, je vais... Si je baisse le son... Et bah, je peux pas. Ah si, Xbox Game Bar. Voilà, je vais baisser. Comme ça. Ok. Bah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, il est soigné, en revanche. Il faut... Attention. Il faut faire attention. Toujours des mêmes persos, ok. Il faut faire attention à la jauge de stress. Ah, du coup, c'est bon, ils sont soignés. Mais c'est génial, ça. 4 sur 200, 13 sur 200. Oh! De toute façon, j'ai que la boulotte, la roulotte. Trinkets and charms gathered from all the... Oh, trinket et prologue, c'est le même mot. Ok. J'ai combien, moi? Moi, je pense que j'ai des milliers. Oh ouais, j'ai 7000. Commune. Mais je vais garder pour le moment. Après, c'est un peu beau, les objets-là. Je les trouve un peu beaux. Hors la loi. Imbéciles et cadavres, tous afflueront vers nous maintenant que la voie est dégagée. Donc ça c'est pour recruter. Pour former un groupe de 4. Glissez pour les déposer dans votre... Ok. Oh! Waouh! Y'a un oiseau. Je sais que c'est un médecin, je sais, laissez-moi vivre. Recruter des soldats. Bonjour petit soldat. Ok, je peux pas voir leurs stats? Ah, ils en ont pas en fait. Bah tiens, toi tu viens et toi tu viens. Pendant que vous êtes là, utilisez quelques-uns de vos premiers legs pour améliorer le réseau de diligence. Pas compris. Cela augmentera le nombre de héros disponibles dans le futur pour améliorer. Cliquez sur le plus à gauche pour sélectionner l'amélioration. Hein? À gauche sur le... Ah, ça... ah oui, d'accord, je voyais pas. Accroît le nombre de héros disponibles. Et
ça me coûte 3 feuilles et 4 boubous. Alors des feuilles, des contrats. Donc je paye avec littéralement des contrats et des blasons. Ok. Bah je prends. Je prends que un. Hein. Te calme un peu, hein. Te calme le jeu. Mémoire ancestrale, consultez mémoire ancestrale. Vous connaîtrez l'étendue tragique de mes échecs. Donc là, c'est des missions. Prologue. C'est des missions que j'ai déjà faites ou que je vais faire. Elle me dit pas. Là, c'est pour refaire ce que je viens de faire vu que c'est une mémoire. Le problème, c'est pas les persos de départ. Le bordel, c'est quand tu en auras 8 ou 10, mais dont 2 malades, 3 en dépression, 2 qui se révoltent, 4 en burn-out. Ouais, je comprends. Ah, c'est des cinématiques! Ah, d'accord. Ok. Vous ne pouvez plus faire grand chose dans cette ville, il est temps d'embarquer. Ouais! Cool! Trop envie là. Je suis à fond. Chaud patate. En plus, j'ai des nouveaux humains. Rien que pour moi. Namemain, il a un bec. Attaque pic là. Embarquer du coup. Ce domaine tentaculaire, mec, de la folie et de la morbidité. Votre travail commence. Si vous sélectionnez une quête et formez un groupe d'aventuriers composé de 4 héros, cliquez sur une quête pour en voir les détails. Faites glisser des héros dans les emplacements en bas de l'écran pour former votre groupe et définir son organisation par défaut. Par défaut, je vais mettre eux en premier, puis ils sont moins stressés. Non, je vais mettre le moins stressé en premier, c'est lui. Mais attendez, ah oui, là, voilà. Lui, il est moins stressé, lui. Ouais, mais non. Non. Je vais pas le mettre en premier. Parce qu'il risque de prendre les dégâts en premier. Toi, c'est quoi, toi? Non, je vais mettre lui en premier. Je vais mettre lui, genre, derrière. Parce qu'il peut tirer. Je vais mettre Taon, genre, là. Je vais mettre Osman, là. Les points sur les attaques. Mais ils ont tous... Ah, c'est ça. Ils ont tous le même, donc ça m'aide pas, c'est ça. 30 premières minutes, c'est facile. Le problème, c'est de tenir plus longtemps. Mais ça va, je sais, j'ai compris. T'arrêtes pas de me dire, tu vas crever. Fais pas la maligne, tu vas crever. J'ai compris, rapide. Je sais, j'apprends. Mettez-vous à l'épreuve dans le royaume dément de votre ancêtre déchu. Terminez la nature du contrôle exercé par les créatures. Ne vous aventurez pas trop loin. Je fais trop ce que je veux. De toute façon, c'est pas toi qui décide. Non. Ok, courte novice. Il en a une courte, le novice. Let's go! Provision! Pourquoi toutes ces... Hein? Quoi? Un pis trop rassurant. J'avoue! Dans les 4 différentes attaques, mais je les ai vues nulle part. Mais y a pas de description, j'ai pas vu. Emporter des provisions différentes en fonction de la région. Attends. Je peux revenir en arrière? Parce que là... Moi, j'ai que ça en description. La détermination et le stress. Mais quand je clique, ça me propose de me le prendre. Et clic droit. Ah, c'est clic droit. Compétence en combat. Oh, ouais, c'est dur de lire tout ça, hein. J'ai de comprendre, quoi. D'apprendre à le lire correctement. J'ai froid. Moi, sur les côtés de mes jambes. Oh, il y a du PQ. Pansement. Compétence de campement. Oh, il peut se penser. Sens du bandit. Empêche les embuscades nocturnes. Lui, c'est un médecin, donc il va... Il a soif de sang concussion. Ah! Et les autres, ils ont des malus comme ça? Soif de sang. Fascination pour les blessures. Et la torture. Attendez, j'essaie de...
Voilà, de mettre mes jambes sur mon repose-pied. Besoin d'intense d'accomplir certaines actions. Très bien, très bien. Le max 22, c'est pas beaucoup. Et toi? Penchant pour l'obscur, tir dévié. Bah super, on a l'elfe avec nous. Exclusion. Interdit de jouer en ville. Oh ça va, tu vas te passer ton jeu de dés là. Hein. Peur de Dieu. Kleptomanie. T'as pas ensemble ça. Moi je vais juste les juger comme ça moi. Les points jaunes c'est le meilleur placement pour les personnages, les points rouges, les positions des ennemis. Ah ouais, donc là c'est bien que lui soit là. Bien que lui soit là. Bien que je sois comme ça. Ok, ça va, c'est bien. J'ai fait un bon placement. Allez, on va tenter. On fait des provisions. Moi, en boucle ne veut pas dire que le jeu est pas un best. Mais je me rends boucle dans tous les jeux auxquels j'ai joué hier déjà. Ah, j'ai fait Elden Ring et Binding of Isaac, ça va, hein, mourir en boucle, je connais, hein. Là, c'est long, c'est pas des morts rapides. Ah, sur Isaac, c'est pas forcément rapide, hein. Ah, je peux te dire que ma game de Strapparem, là, de presque une heure, bah, je suis morte. Ah, c'était pas rapide, hein. Bon, j'ai arrêté, après. Ok, il me faut des soins, antidote et eau bénite. Ça, c'est ce que j'aime, moi, c'est ça. Herbe médicinale. Peuvent également être utilisés sur un héros pour ôter les malus de combat. Plus Isaac en effet. Mais c'est pour ça que c'est un côté roguelike en fait. C'est juste que, bah, contrairement à un roguelike, tout ce que tu fais, ça a un impact sur tes games suivantes. Bah oui, non, on remarque c'est le cas d'un roguelike aussi souvent, mais vu que, bah, tes persos, tout ça, tout ce qu'ils feront. Oh non, c'est un roguelike en fait, j'imagine. Osman, tu dois placer un peu plus en arrière. Osman. Bah ouais, mais c'est comme l'autre. Ah, dévorer les coffres et les portes. Je vais prendre un passe-partout. Je sens bien. Hop. Je vais prendre un autre antidote. Je vais prendre à manger. La teinture apaisante qui immunise l'esprit contre les horreurs des ténèbres. Je vais en prendre un. Et je vais prendre une. Deux torches. Et je vais prendre des bandages. J'en prends un. C'est bien là! Il est bien ce jeu. Et franchement, il a l'air cool. J'apprends encore un. Mais je suis curieuse de continuer à découvrir là. Ça, c'est quoi? Au terme, malus en combat. J'en prends juste un. Ah, faut prendre plein de provisions et plein de torches. Voilà. Ah mais oui, mais non, j'avais mis comme ça moi à la base. Voilà, là c'est mieux. Ok, ok. Ah non, j'avais pas mis comme ça. Non, ouais. Ok. Hop, et puis on va pas y aller. Vous n'avez que peu de nourriture pour votre expédition. La quantité de nourriture recommandée est de 8. Bah quoi? Hein? Ah, j'ai récupéré ma thune, j'ai eu peur. Voilà. Là, je suis bien. Tu parles plus, mais c'est pas vrai, Trapine. On sait très bien que tu pourras pas t'empêcher de parler en témoignage. On sait que t'es un foufou. Ok, on est parti. Bon, première vraie try. Première vraie quête, première vraie exploration du donjon. J'aurais peut-être un peu du tuto, en tout cas.
quand je rencontrerai des nouveaux trucs. Une pièce accessible. Let's go. Oh, super. Ça veut dire que dans 3 pas, je croise quelqu'un. Non, pas du tout. 1, 2, 3, 4... Oh, je peux allumer ça. Oh, je récupère une torche neuve. Oui, je prends. Ah non, c'est qu'il gagne du stress, je pense. Ah, c'est les points de stress, ouais, c'est ça. Eh, hey, j'avais compris, bravo Lox. Pardon, 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 oui, j'arrête de marcher en arrière. Oh, comment il stresse de fou quand je leur fais faire ça? Oh, c'est toi qui commence, bro! Mais ça va être parfaitement inutile en fait. Explosion. Oh si, c'est peut-être pas mal. Et ça c'est quoi? Explosion toxique. Bah go hein. Bah ils sont résistants à la toxicité j'imagine. Bah oui, c'est logique. Les squelettes, ils s'en foutent, ils sont morts. Ils s'en foutent là de Twitter et du chat de LOL. Ils s'en foutent la toxicité eux. Mitraille on va faire avec lui. Oh ça a bien marché. Elle fait quoi la piote? Judgment. Oh je suis sûre que ça c'est... Ah ça soigne, ça c'est bien. Grâce divine, soin. Ok c'est vraiment mon suppel. Vraiment mon support. Soin de groupe machin et judgment. Soin 3 PV ça fait mal en gros. Besoin pas... Ouais ok. Bon moi je... Faire ça, on va voir ce que ça fait. Leur formation est brisée, continue à attaquer. Yes, yes, yes. Another one. Oui, de la thune. Son contenu vous appartient. Ah oh, bah une pelle. C'est au cas où on n'en ait pas pris une. Oh, un blason. Je peux le mettre à quelqu'un? Buste. Mais attendez, est-ce que j'ai loot dans le tuto? Est-ce que je l'ai vendu, ça l'a vendu automatiquement ou faudrait que je le fasse et tout ça, j'ai pas vu. Attention à la lumière, plus elle baisse, plus il y a de danger en général, donc n'hésite pas à utiliser de temps en temps une torche. Ouais, bah de toute façon... Mais là ça va, non? Faut que je fasse gaffe à cette jauge, je pense, c'est ça. Une pièce. Ok. Ah ouais. Ok, je vais prendre une torche. Je sais juste plus trop où comme ça. Je prends celle-là, imaginons. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Ok, un amas qui me bloquait. Ah ouais, d'accord, c'est juste pour augmenter. Ok. Blason, buste, portrait sont des monnaies. C'était ça. Ok, ok. Oh, Stylax, le swag! Vous avez vu, c'est une sorte de squelette, mais un peu sexy. Toupie sexy squelette. Donc là, ça fait des dégâts de doigts. Je vais faire les dégâts de doigts, on va voir. Incantation stressante. Oh non! Oh non! Elle va me forcer à me lever tôt demain! J'essaie de la tuer d'abord elle. Elle a pas beaucoup de PV. Oh, je lui ai rien fait. Oh là là, j'ai rien fait. Oh, je lui ai rien fait du tout. Judgment. Bah, je vais réessayer Judgment. Je pense que c'est bien. C'est la plus efficace pour le moment, la piote. Et en plus, elle a heal à chaque fois qu'elle le fait. C'est trop cool. Bon bah lui, il peut rien faire donc c'est super. Elle valait mieux parce que l'autre il a pas de PV. Je crois. Hein. 21. Ah non! Oh c'est du diable. Mais pourquoi il bouge? Il devrait pas bouger, il devrait rester en formation là, disons. Ah j'ai choisi. J'ai visé... Non, je voulais viser lui d'abord. Je pensais que ça viserait les deux de toute façon de base. Mais oui, je vise mal. Grenade infectieuse. Soin militaire. Pas besoin, pas besoin. C'est ok, ça va bien, pas besoin.
Grenade infectieuse ou explosion toxique. La grenade, c'est pas ouf, je vais faire explosion. Ouais, mais ils s'en foutent. Les points rouges sont reliés. Ça peut toucher plusieurs ennemis. Ah oui, quand c'est pas relié, ça... Oui, 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 c'est vrai. Les ennemis qui te forcent à bouger. Hey, silence, comment ça va? Ok. Main lumineuse. Oh, ça doit être pas bien pour eux, ça. Ils doivent être vénères. Bah, je vais faire lui. Je vais faire lui, il a 3 PV. Nice. Elle est bien, elle. Franchement, elle est trop bien. Ouais, tu peux rien faire, bro. Oh, je peux faire un petit soin pour... Bah, il est useless, il soigne pas de toute façon, lui. Donc, let's go faire un petit soin. Toi. Ce sera toi. Oh, ça, c'est efficace. Yamete. Elle m'a sorti une tentacule. Elle m'a tentaculé, dis donc. Oh, esquive. Alors, je peux faire tir au pistolet. Enfin, oh, je vais faire ça. Compétence horrible, attraction, incantation stressante. Je peux pas voir les faiblesses. Je vois les résistances, mais pas les faiblesses. Parce que vu que je connais pas encore tout le jeu. La lumière se meurt. Le niveau de ta horche a un effet notable sur de nombreux mécanismes du jeu. Plus il fait sombre, plus la difficulté augmente. C'est vrai ? Meilleur sur les compétences. Ah ! Je suis un temps, j'aurai 20 heures pour arriver à la lumière. Non, vas-y, vas-y, on a presque fini le combat. Ça va aller. C'est bon quoi, on va te sortir là. Donc c'est quoi qui fait des doigts? Alors. Ok, bon, je... J'essaie de comprendre. Là, ça fait... Près de base, mode de doigts, ça fait moins 80%. On va faire ça. Chier, moi je m'en doutais. Ah, je lui ai mis un malus. Elle va juger à max. Oh non, elle va peut-être heal. Voilà, il sera tout bien le poteau. Enfin, il a pu mettre un coup. Oui, comme ça j'ai plus de récompenses. Oh, c'est bien, bravo Lox. Tais-toi. T'as dû, Natacha. T'as dû. Bah, j'avance. Voilà. Je suis là, moi. Je vais aller là. Y a pas vraiment de faiblesse. Juste moins de... Ah, y a moins de résistance. Moins la résistance est grande, plus t'as de chances que ça marche contre lui. Ok. Ok. Pardon, l'eau, elle a fait bloop. Sifflement. Oui, ça que vous appartient. Attention, les brûlés, ils vont bien payer. Hein? Ils sont où? J'ai pas vu, ils sont où? Ils sont où, mais bah, Biol? Tu as des compétences qui redonnent la luminosité aussi. Ok. Mais c'est que là, je veux des bonnes récompenses, moi. Ah ouais, mais non, mais il fait trop sombre. Bon, si j'en ai un qui est useless derrière, je lui ferai faire ça. Ouais, lui, il va être useless, tu sens. Explosion déroutante. Je vais essayer de dérouter. Tu vas dire que Kleptoman, il a pris l'objet pour lui. Oh, le salaud! Ah, d'accord! Oh, le bâtard, il a pris l'objet pour lui, Kleptoman. Bâtard.
va essayer du saignement sur des squelettes, ça va zéro marcher. Ouais, 200% de résistance saignement. Malus infection, déplacement, étourdissement. Ouais, c'est les autres trucs en fait qui sont intéressants. Peut-être la mitraille. Ah, je vais essayer la petite mitraille là. Donc là, toute la ligne, je peux la faire normalement. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Excuse. Je vais les juger. Étourdissant, le corps et l'esprit. Oh non, on est trop stressé là, c'est pas cool. Oh, la petite, je vais devoir soigner, je vais soigner, je vais soigner. Châtiment, étourdissant. Je vais faire châtiment. Ah non, c'est mieux ça. Mode de doigt, je sais pas ce que ça veut dire. On va voir. Oh, bon, ça l'a tué. Tire au pistolet. Ou profane. Bon, on va peut-être faire le... Ah. Manqué. Bah soin, je vais te soigner toi. Parce que lui, il est vraiment pas très utile, je trouve. Voilà, elle se soigne elle-même, ça me semble worse. Oh, 7 OMG. Faire ça, et je vais faire ça. Et ça, c'est un gros coup, ça. Mais oui, c'est ça qu'il faut que je mette. Lui, il va carotter. Et ouais, il nous carotte un max. Pas fou, le soin. Hein. Il est vraiment un chien. Ça va, ça va. Ça pourrait être pire. Donc ça, des Onyx. J'aime bien ce Pokémon. L'or, pas beaucoup. Ok. C'est quoi ça? Fouiller la fontaine. Ok, ok. Et une torche qu'on va utiliser tout de suite. On peut s'en aller. Alors, qui va être renommé à la place du chevalier Kleptoman? C'est qui le klepto parmi vous? Mais je sais pas comment elle est renommée, moi, quand je clique sur le nom, ça fait rien. Faudrait que vous me disiez. La question t'expliquer, puisqu'en témoignage dit que j'explique mal. Qui est pas faux, mais vexant, mais pas faux. Je vois cette interface, je connais ce jeu. Jamais capté, mais déjà vu. Ouais, ouais, il est sorti il y a longtemps, le premier et le second Darkens Dungeon sort au mois de mai. Mais moi aussi, j'avais déjà vu. Et voilà, je comprenais pas trop comment ça se passait. Oh non, des pièges! Oh, est-ce que je peux me soigner? Oh non, je peux pas, je crois. Je peux faire un campement? Mais peut-être, attendez. Si je peux... Si je... Oh non, mais ils sont blessés et tout. Attendez, comment... Faut que je sois dans une salle peut-être, je peux pas camper genre dans le couloir, c'est ça? Non mais lui c'est mon tank. Exorciser le mal et restaurer la pureté sert également à accroître les résistances. Pas de soin en fait. Avec la nourriture. Ah ouais, c'est pas dingo dingues. On va en prendre parce que bon, il fait très mal aux ennemis qu'on a rencontrés jusqu'à présent. Je peux pas mettre ça là? Oh, mais j'ai plus de place bientôt! Ça va être terrible! Ok.
Il est pas très grand le donge. Je vais explorer cette pièce aussi. Faut-il des bandages? Mais j'en ai, je crois, mais je les ai pas. Ils sont grisés, je peux pas. Je peux pas. À soigner les saignements. Ah, c'est parce que j'ai pas de saignement. Du coup, il me dit, bah non, utilise pas ça, meuf. C'est stupide. Oh non, mais sérieux. Oh, il est tout stressé, du coup. On avance, on avance. Bah tout ça pour ça en plus. Oh non, d'accord. Ils attaquent en premier, ils attaquent en premier. Ça craint, ça craint, ça craint. Force du diable. Soin militaire. Tu veux pas faire mieux parce que vraiment tu fais des trucs pourris. Hein. Ah, infectieuse, infection. Infection 10. Ah non, ça va. Les infections, ok, on va faire ça. Infection. Malus, ça semble bien. Toi. Pistolet ou... Tire de pistage. Ok. Plus 25% versus Marc. Bon bah je sais pas qui c'est ce Marc. J'ai testé ça. Ah non alors, je vais peut-être affronter le premier d'abord. Ah non je peux pas, ok. Allez, ça me fait gagner un bonus. Ah, le malus, c'est pas mal. Ok, le malus, c'est pas mal. Ça va, 2, ça va. Pour être pire. Oh, saignement malus. Pas cool, pas cool. Je veux désirer, vous pouvez faire un... Oui, je veux. Ouais, ouais. Ah, ça m'a pas fait un tour. Mais c'est incroyable, ça. Ok, il a plus que 3 PV. Peut-être avec son malus, ça va suffire. Ouh, ça fait mal. Non, ça va pas suffire. Ah oui, c'est là et là. J'aime bien que le malus le tue, mais ça le tue pas. Bon bah je vais... Bon bah tant pis. Hein. Pff, il a pris très cher. Oh, esquive! That's my boy! Main lumineuse. Moi je vais faire un petit réconfort, moi, encore. Oh, il était bien en plus. Il était bien, il était bien. Ah, c'est bon. Elle tuera quand ce sera son tour, je comprends mieux. Ah bah j'ai bien fait parce qu'elle a pris encore cher. Trop cher la petite, hein. Oh, je vais faire ça, l'accusation comme ça, je vais peut-être le tuer lui et elle va toucher elle. Voilà. Résistance, nice. Étourdissement. Retire tous les cadavres. Ah bah c'est bien. Oh, en fait c'est une attaque lente celle-là. Elle est beaucoup trop rapide, c'est ridicule. Ouais. Bon, est-ce que ça va la toucher? Elle a plus qu'à un PV. Voilà, c'est ça que je voulais faire depuis longtemps. Le poison du médecin est très bon à condition qu'ils arrivent à l'appliquer.
Ok. La thune. La citrine. C'est dégueulasse. Un piège. Oh non. Ça va, il y a 10 résistances, donc c'est que ça va. Oh non, je vais avoir des pièges. C'est ça que je voulais faire du tout, mais c'est pas grave. Richesse incommensurable accordée aux braves, comme aux imprudents. Non, non, bah je lui fais manger. Mais comme ça, ne pas manger. Mais... Oh, et puis merde, hein. Ils venaient tous de manger, c'est quoi ce délire, là? Allez, avancez, bande de merde. Mais j'ai pas compris, je venais tous de leur donner à bouffer. Oh, ta gueule. T'as plus assez de nourriture. Mais je venais tous de leur donner à manger, quoi, c'est nul. Allez, retour à mots. Ils sont un peu nuls, hein. Ils venaient à peine de manger. Il fallait 4... Mais c'est trop fort, ça aussi. Waouh, par contre, j'ai collecté plein de trucs. De toute façon, lui, il est pas terrible, hein. Affliction paranoïa. Ouais, ça n'est pas pour leur goûter, si je puis dire. Bah, c'est de la bouffe, quoi. Disons que je pensais que ça, la nourriture les nourrissait. Connaîtrait l'étendue tragique de mes échecs. Oui. Du coup, lui, je peux rien faire, j'imagine. Je vais peut-être le jeter, hein, lui. Hein. Franchement. Ah, réduction du stress. Ah, cool. Oui, d'accord. Réduction des héros subis. Les héros réduisent leur stress en participant à des activités à la taverne et à l'abbaye. Chaque activité a des effets secondaires différents expérimentés pour trouver la meilleure activité pour chaque héros en fonction de ses attributs. Assigner un héros à une activité le verrouille dans cette dernière jusqu'à la semaine suivante. Devait donc utiliser un héros différent. Ça ne me dérange pas. Allez, bro. Frisson du gain, plaisir de la chair. Je pense, lui il est... C'est un peu dangereux le côté plaisir de la chair, compulsion. Je sais pas ce qu'il aimera le plus. Écoutez, plaisir de la chair, j'ai peur qu'il fasse du mal. Pourquoi là, il y a quelqu'un ? Allez, vas-y, taron. J'ai soif, monsieur. Il y a l'abbaye. Hey, méditation, prière, puissance supérieure. Flagellation mène à l'absolution. Évidemment. Moi, je veux voir ça. À un moment, ils vont demander à manger parce qu'ils ont faim. Je savais pas. Alors, aspirant lépreux, ça ne me donne pas envie. Les lépreux, c'est pas dingue, non? Emeralopi. Dommage, 10% si la torche ça fait 26. Éparpillement. Ok. Flex lent. Nocturne. Oh, chiant. Peur des bêtes. Écoutez, la moindre malus, je pense que je vais prendre ce gars-là. Il a taillé tranché. Et intimidé, ça peut être bien ça. Les autres ils ont quoi? Solennité.
Mais ça va, j'ai la petite et lui. Bah lui, il a les mêmes compétences que le bandit que j'ai déjà. Donc je vais prendre le H, peut-être l'augmenter aussi. Pas dingue, ça part en morceaux les lépreux. Ouais, après on risque de nous retrouver et tout. Je peux pas. Et bah je prends l'aspirant. Viens là, mon poteau. Attends, je pouvais faire un autre truc. Quartier des héros, au moins de la capacité de votre liste de recrues. Bah j'attends quand j'en aurai besoin. Ah! Moi je veux ça. Je veux des recrues expérimentées. Les pros, c'est très costaud. Ouais, bravo. Leurs os peut-être, mais leur peau. Si ton perso a un défaut qui fait en sorte qu'il ne peut déstresser qu'avec des plaisirs de la chair, bah tu peux pas déstresser cette semaine. Oh oui, voilà, d'accord, c'est un perso qui fait chier, qui profite des infrastructures. Ok, le mec qu'on a vu, c'est pas un gars que je peux recruter. Qu'on a vu au plaisir de la chair, là. C'est juste un gars qui fait chier. Ok. Ok, ok, je vois. Allez, on y retourne. Oh, je suis à fond, là. Il me faut des contrats pour améliorer le truc. Et si j'en sens glanté. Donc on est d'accord que c'est revendu automatiquement. Ce que j'ai récupéré avant. Oh là, j'ai un talisman. Je peux le mettre à quelqu'un ? Allez, je te mets un talisman. Ouais. Pierre précieuse, oui. Ah, pas les autres trucs. Bon, lui, il va aller à quelle place? Ah, lui, il tank, lui. Bon, ça va. Ça me va, bro. Eh bien... Ah oui, mais lui, il préfère être devant, même. Ouais. Eh bien, allons-y. Là, je choisis. Ah. Explorer 90% des pièces. On va faire une moyenne. Une mission moyenne. Mais on va prendre beaucoup plus de provisions. Cette quête inclut un campement qui nécessite du bois. Le bois est fourni automatiquement pour les quêtes concernées. Camper permet aux héros de se rétablir lors de l'exploration du donjon. Clique droit sur le bois à brûler depuis l'inventaire si votre groupe est blessé ou stressé. Ok. Ouais, je vais prendre un peu plus, t'as raison. Hop là. Bon, je vais mettre là. Je vais mettre là, ça sera vite utilisé. Voilà. J'ai pris plein de trucs. On verra. Let's go! Oh! J'ai pas pris de pelle, merde! Bon, c'est pas grave. J'apprends. Profitez le panneau d'état, les attributs, les compétences et résistances. Oui, d'accord. Mais même son épée, elle est lépreuse, elle est pas en entier. On va là. Even the cold stone seems bad. Ah ouais, c'est chiant. Ok, je ferai plus ça.
Tu as plus de place. Tu as plus de place, tu pourras prendre d'autres objets sur toi. C'est un savant d'équilibre. Oui. Oupsi, pas de pelle. Ouais, c'est un signe. Hein. Bon bah on rentre à la maison. On rentre au spawn au début. Tu pourras pas. Oh oui, d'accord, oui, bah oui. Ouh, mais j'imagine que je peux jeter des trucs à ce moment-là. Genre imaginons. J'ai un truc, j'ai pas la place. Est-ce que je peux pas, par exemple, utiliser un truc de bouffe si j'en ai juste un en trop qui est pas stack avec les autres? Est-ce que c'est suffit? Rien ne doit rentrer en contact. Malédiction. Mais pourquoi tu fais des trucs aussi, là? Il est tout pas bien, du coup, il est tout stressé, ce couillon. Oh, il a esquivé le piège. BJ. Tu peux jeter des trucs, ok. Ok, j'ai que des trucs nuls. Ah, t'es méchant. Non, vous placez pas comme ça, enfin. Mais ils sont neuneux. Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi? Non, mais saignement, c'est nul. On va faire la mitraille. Voilà. How quickly the tide turns. Tu peux éviter le piège au sol si tu les remarques. Les désamorces. Ah non, je savais même pas qu'on pouvait les voir. Je pensais que c'était aléatoire, quoi. Voilà. Il prend cher, lui. Ouh, ils vont le tuer. Oh non, manqué. Really, dude, why? Ok. Il est fort, lui. Ouah, la tunasse. Oh, beaucoup, hein. Pourquoi c'est lui? Ah non, je vais sélectionner lui. Mais oui, voilà, c'est le premier que je sélectionne. C'est dur à voir, il faut faire bien attention, d'accord. On se passe la souffrance. Écoute, pour le moment, c'est sympa. Je découvre, hein. Donc faut bien que je fasse gaffe au sol, ok. Ok, ok, ok. Oh là, je peux voir ce qu'il y a. Oh, j'ai une vision sur la suite. Curio. Piège. Ah non, c'est pas bien les pièges. Oh. Mais les pièges, je peux essayer de les désamorcer, ça veut dire. Peut-être essayer. Et ça, c'est quoi? On va se faire cette pièce, on va se faire cette pièce. Trésor et combat. Faut que j'ai fait 90% de toute façon, donc on va aller d'abord là. Ah oui, c'est là. Oh ouais. Et du coup, il est content. Mince, on est dans le noir, on est dans le noir. Mais... J'aurais pas assez de torches, hein, ça va être chaud. Ouais, c'est un début, hein.
que lui qui loot. Moi, je veux que ce soit celui qui est premier. Au cas où il se passe des trucs. On va faire un petit soin. Hein. Oh, 5. Oh non, pourquoi il la vise elle? Mon support là. Ah, c'est des gros vers. Des grosses larves. Des grosses larves. Alors, c'est quoi leur résistance, tout ça? Étourdissement, ils s'en foutent. Ça va, ils s'en foutent. Malus, 60, saignement. Ah, ils ont des bonnes résistances quand même. Infection. Mais saignement, ils craignent quand même. Moi, je fais la mitraille, hein. C'est pas mal la mitraille, je trouve. Ils ont pas beaucoup de vie, ces machins. Ouais, c'est pas mal. C'est quoi, ça, intimider? Ça a l'air impressionnant. Moi, je vais pas le faire. Quoique, ça fait quoi, en fait, d'intimider? Ça leur fait mon 20% de dommage, c'est ça? Mon 3 de vitesse? Oh, je vais les tailler, hein. Oui, qui font les objets parce que tu as sélectionné. Mais non, c'était mon premier qui était sélectionné. On va faire l'accusation. On va accuser les larves, là. Elles seront trop deg. Push on to the task's end. Ouf, c'était là, finissez-en. Fini. Ok. Je finis-en. Oublie intimider pour l'instant, c'est surtout utile quand les ennemis sont furtifs. Pour pouvoir les sortir de la furtivité et pouvoir les taper. Ok. Moi je prends, moi. Toucher l'hôtel n'a aucun effet. Je vais attendre un peu pour allumer ma torche parce que j'en ai pas beaucoup. Oh la vache! Mince. Ok. Oh, il prend cher. Oh, il est infecté et tout. Non, ça va pas du tout. Destroy them all. Voilà. Pas lui mettre un bandage, lui, il va pas bien. Je sais pas quelles sont ses afflictions. Je vois pas. Je vois juste des petits trucs. Infection. Ok. Je vais faire un campement. Oh non, je voulais faire un campement, merde! Vite maintenant, je voulais le faire. Je tente des trucs. Évite de revenir sur tes pas, mais j'ai pas le choix dans ce type de donjon. J'ai pas le choix. Hein. Ils font trop mal. Ah. Je peux rien faire du coup, je joue plus. Venez faire Nalou. Reeling, gasping. On va attendre. C'est bon, je peux jouer, c'est gentil. Merci beaucoup. Hop.
Alors. Ah, je peux plus jouer longtemps. Que tu es dans une salle, pas dans le couloir. Ah, je pensais que c'est l'inverse. Ok, ok. Allez, c'est trop long. Pas beaucoup. Merci beaucoup à Fanalou, des gros bisous. Très bonne nuit. Destroyed. Allez, we can do it. Super. Encore pas les saignements, lui. Hein. Be gone, fiend. On va camper, les petits loups. Gathered close in tenuous firelight. Dans la phase de repas, vous choisissez la quantité de nourriture à consommer, ce qui influence le rétablissement du groupe. Assurez-vous d'avoir assez de nourriture à phase d'action. Ok. L'action vous permet de dépenser vos points d'action pour diverses compétences. Ok, bon, on va faire la phase repas déjà, donc tout le monde y va manger. On va peut-être faire un festin. Hein. Il me restera ? Ouais, il me restera, je fais un festin. Et compétences de campement pour renforcer la santé. Ouais. Ouais, moins. 27 sur 35. 15 sur 21. Je fais quoi? Je fais comment? Bah je sais pas, je clique partout mais ça fait rien. Peut-être que je fasse ça encore? Si on n'a pas envie de camper, eh ben tu t'en vas! C'est là où il y a les attaques. Ah ouais, d'accord. Il est très stressé. Ah non. Ok. Non, mais je trouve cul. Quarantaine. Stress moins 1, stress moins 15. C'est bien ça, non? Ah, mais pourquoi lui ça lui fait des dégâts? J'ai pas compris. Oh. Oh.
peux pas utiliser sur lui, non. D'accord. Mince, je vais pas du tout faire ça. Je vais pas du tout faire ça, c'est pas grave. Allez, repos. Hein? Ils sont stressés du coup? Et je comprends rien. On peut partir du campement, c'est chiant. Une compétence pour veiller la nuit ou quelque chose du genre, utilise ça pour éviter de te faire attaquer pendant le repos. Ouais, j'ai fait ça, ouais. Ouais. Je suis obligé de revenir sur mes pas, malheureusement. Mais bon, je suis obligée d'explorer 90% du donjon, alors je pouvais pas me passer ces trois salles-là, j'imagine. Ah non. Clairement pas. Ok, on est prêt. Ils sont tous tellement stressés, hein. Allez, on va là-bas. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Ah. Ça a fait quoi ça? Ça l'a rendu triste, ça l'a stressé? Je comprends pas tout, je comprends pas tout. Tire au pistolet. Du saignement, ça ou pas? Non. Sur lui. Je sentais bien. Oh, ils sont stressés de fou. Oui! J'étais trop heal, bro. J'ai bien fait parce qu'il va se faire attaquer. Oh, mais comment ça le stress de se faire attaquer? C'est fou! Ça t'a rajouté un défaut. Après l'effet du défaut, faudra regarder dans la flèche du personnage. Oh, attends, ça limite crise cardiaque. Le stress continue d'augmenter au-delà de ce machin. Mais ils sont... Le stress augmente tout le temps. Si la barre de stress se remplit une deuxième fois, aidez le héros à trouver... retourner en vide. Avant que ça ne se produise. Ah ouais, je peux faire ça? Je savais pas. Il faut que le jeu me dise comment. Back to the pit. J'ai entendu. Ah, il fait ce qu'il veut. C'est pas moi qui dis, hein. Pourquoi il peut pas faire sa mitraillette? Oh mais il stresse tout le monde lui! Arrête de stresser tout le monde!
Paranoia. The shadows whisper of conspiracy. J'ai le bouclier pour regarder la luminosité, peut-être. Après, la lumière, hein. Mais peut-être. C'est bien le moment, tiens. Allez, fais des trucs, toi. Là, je peux spammer pour que ça avance plus vite. Moi, je pensais que ça ferait un bonus à tout le monde, mais non. Ah, ils s'attaquent entre eux! Bah, super! Génial, les gars! Bon, ils font ce qu'ils veulent, en fait, là. Allez! Bah, je ne sais pas, hein. Je peux rien faire. Passer le tour, voilà. Ah, ils passent tous. Bah, c'est le moment, hein, de faire la gueule, tous, là, hein. Avec 2 PV, là, faites un effort, les bros! Déteste. En train de péter un câble, mais oui, ils s'entretuent, ces couillons. Ça sert à rien, je passe. Allez, s'il te plaît, finissons-en vite. Voilà. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Le plus stressé, 128 sur 200, 114, 180 sur 200, c'est elle. Ok, si je fais ça. Exorciser le mal et restaurer la pureté, non. Ça sert à rien, ça. Bon, j'imagine que j'ai pas d'objet. Et on va avancer les bros, hein. On a pas le choix. Nice. Oh, ils vont tous tellement faire la gueule. Et je peux plus jamais faire ma mitraillette, je sais pas pourquoi, c'est parce qu'il est trop stressé, c'est ça. Oh non, en armure et tout. Ouais, ils veulent jamais changer leur place, mais du coup il me sert à rien lui. J. Il peut pas faire la maîtresse depuis cette position. Ah mince. Grievous injury. Palpable. Ouais, je suis obligé de rentrer. Parce que là on fera jamais 90% du donjon de toute façon. Risque cardiaque, oui bah tant pis. Hein. Non mais il gagne du stress tellement rapidement aussi là. En vrai, la situation actuellement, elle est pas plus stressante qu'il y a 10 secondes. Hein. Vous stressez tout seul. Hein. Bon, j'ai testé le boubou, mais c'est pas fou. Non mais ta gueule, toi, les toulous. Mais pourquoi ça se réinitialise tout le temps? Je passe mon temps à couper le son des Xbox machin, mais j'arrive pas. Pensez à faire le combat. Ok. Dommage, le seul qui a pas esquivé, c'était le cadavre. En vrai, ça me sert à rien de faire le combat, ils sont tous dans un état lamentable. Ah si, ça me sert à récupérer ça. Mais je sais pas où c'est fuir le combat. Ah, parce que j'ai encore trop de trucs à faire, moi.
Alors j'essaye de finir au moins celui-là. Pas sûr que ce soit très possible. Ah ouais, c'est là, ok. Merci. Lui est fort, lui. Sérieux, il l'a même pas tué. Il est nul. Merci. Merci de faire le job. On va se casser, hein. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Est-ce que je garde mes sous ou pas? Si je m'enfuis maintenant. On va voir. On va voir en fait. Ah oui, ça va. Bon, ça va. J'ai pas fait tout ça pour rien. J'ai fait tout ça pour une morte, mais bon. Bon, va falloir que... Ça va être compliqué. Ils sont tous dans un état pitoyable. Bon. Eh ben, on a des choses à faire. En attendant, je vais couper la VOD là. Des bisous, VOD. À la prochaine.